Yo, salutations mes humains, 31e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain, Le Havre, moi-même OP avec Loris. Loris, d'ailleurs, petit message des internautes, rapproche-toi, ils vont pas te manger. Ils m'ont dit de te le dire. Je suis pas assez proche là. Voilà. Moi, je vois quand même un match où je sens les Havrais quand même se prendre une rouste, c'est très faible. Bon, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect quand même, mais c'est très faible Le Havre. Mm-hmm. Je sais pas ce que t'en penses ce soir, ça va être quand même. Ça va être très dur pour eux. Alors, on m'a fait la réflexion, on m'a dit, tu sais, les matchs avant Ligue des Champions, le PSG, on se rappelle avec Monaco, on se rappelle avec Clermont aussi. Mmh. Sur des matchs nuls, mais là, quand même, je pense que Clermont-Monaco, c'est... Alors, Monaco, largement au-dessus, et Clermont, quand même, c'est beaucoup plus au-dessus dans le jeu, dans ce que propose Clermont par rapport au Havre, je trouve, hein, quand même. Hein. Oui. C'est pas ce que t'en penses. Oui. Bah, détail, mon frère. Loris, il me rend ouf. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Ce que je pense, c'est que ce soir... ce soir, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ce soir, moi, je vois le Paris Saint-Germain. J'espère que Luis Enrique mettra quand même certains cadres au repos pour préparer au mieux cette demi-finale. Nuno Mendes et Donnarumma. Nuno Mendes, Donnarumma. Lucas Hernandez aussi, j'ai vu. Il est au repos. Et un autre joueur, un quatrième, j'ai plus son nom. Mais bref, ils sont au repos. Tant mieux pour eux. J'espère d'ailleurs qu'on va préparer au mieux cette demi-finale, aller en mettant un certain score à cette équipe du Havre et avec, on va dire, entre guillemets si possible, tout respect que j'ai pour le Havre, le plus de cadres possible au repos. C'est mon avis. Le score, moi j'ai été gourmand, hein, j'ai dit 5-0. Voilà. Je veux dire 3-0. 3-0, d'accord. Donc 5-0 pour moi, 3-0 pour Loris. Bon, on va se quitter là-dessus, hein, mes humains, en espérant quand même la victoire pour fêter ce 12e titre. Bien évidemment, il n'y aura pas de cérémonie ce soir. Cérémonie prévue pour Toulouse, je crois, hein, ce qui a été annoncé. Donc voilà, mes humains, on se dit à tout à l'heure pour le débrief, juste après le match. Ciao. Marco Asensio.
numéro 23. Revol. Numéro 29. Rodley. Le Paris Saint-Germain. Thank you.
nique ta mère l'arbitre. Nique ta grand-mère. C'est le retour de OP et Loris, les gars. Bon, match nul, 3 partout. Bon, mais à coup de pas, je voyais une rouste. Frérot, wow, c'est le roussi, ça sent le roussi, les gars. Voilà, un match nul, les gars. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, déjà, le 11 de départ, 4-3-3 à plat, hein, comme ça, d'habitude. On avait Navas, retour de Navas dans les cages. Bon, ça, on le savait depuis qu'on a eu le groupe ce matin. Mm-hmm. On avait après, alors c'était Danilo et Beraldo qui était à gauche, ouais. Danilo Marquinhos dans l'axe et Achraf Hakimi à droite. Ouais. Ensuite le milieu c'était Asensio, Zaïre-Emery, Vitinha. Et puis une attaque un peu ouais, inédite, on peut dire ça. Colomwani, Barcola et Dembélé. Dembélé. Bah vas-y frérot, je te laisse enchaîner sur le Havre, comment t'as trouvé le match. Bon, bah, le résultat que j'espérais, que OP il espérait, pour bah, la préparation, on va dire, face au Borussia, parce qu'on va aller en terre allemande, ils ont perdu, on a fait match nul, mais j'aurais aimé une victoire comme tout le monde, pour préparer au mieux ce demi-finale. Allez, bah, une équipe à Brest qui, bon, je pense qu'on pouvait s'y attendre, aussi bien OP et moi que vous tous, une équipe à Brest qui s'est mis, on va dire, bah bien derrière, qui a clairement garé le bus les demi-temps. Si je peux me permettre, sur le coup d'envoi, j'ai quand même trouvé nos Parisiens qui sont partis tout de suite presser très haut. Bien sûr. Jouer très haut directement dans la surface, tu vois. Et je te rejoins entièrement, nos Parisiens ont bien pressé, on va dire, le début du match. Un petit peu moins en fait par la suite. Maintenant, voilà, c'est vrai que j'ai trouvé une équipe à Brest qui était malheureusement très très resserrée. On sait que nos rouges vont ouvrir le score. Qui va ouvrir le score. Nous allons égaliser et ils vont ensuite reprendre le devant avec un deuxième but et un pénalty par la suite. Beaucoup de laxisme dans la défense parisienne, les gars. Beaucoup de laxisme. Beraldo pas là. Je pense que le premier but, c'est Achraf qui est. C'est Achraf qui laisse le couloir droit assez battant. Il est fautif, tu vois. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est beaucoup compliqué. De laxisme dans la défense parisienne. Ouais. Encore une fois, un Barcola qui fait preuve de sa bonne forme, hein, et qui va égaliser. Ouais. Merci beaucoup à Bradley, il prend de plus en plus confiance. Contrairement au P, si je peux me permettre d'enchaîner avec un joueur qui malheureusement enchaîne les mauvaises prestations, je pense que tu vois très bien de quel joueur je parle, évidemment, les gars, Randal Kolo Muani, encore une fois, ouais, pourtant les gars, Randal, je pense qu'on apprécie plus ou moins tous Randal, moi personnellement. Je l'apprécie profondément, les gars, Randal. Le truc, c'est que Randal, on est avec lui, on le soutient. Et il a du temps de jeu et on lui fait confiance. Et il lui donne du temps, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Il a un problème. Ouais, c'est psychologique. Je te dis que c'est psychologique. C'est pas possible d'être
il est bloqué, il y a quelque chose qui le bloque en fait, j'ai l'impression. Il est trop mauvais. Et là aujourd'hui il était là, il faisait pas d'appel, il était statique, il bougeait pas. Et... ah c'est compliqué Colomwané. C'est compliqué les gars, Vantal, ouais. Pourtant moi je l'aime bien et justement ça me fait chier. Ça me fait chier vraiment. Non, que dire d'autre, bah pas trop à dire aujourd'hui ce qu'il y a vraiment à dire. On a eu du mal. En tout cas, on n'a pas perdu, c'est le principal. Oh. Allez, bah justement, encore une fois, Ramos, c'est un sauveur qui sauve les mêmes. Merci hein. beaucoup, Gonzalo. À la fin. Merci beaucoup, Gonzalo. Merci à Achraf aussi pour son but. Excuse-moi, je te coupe la parole. On va pas se mentir, ils avaient la tête ailleurs, les joueurs. Ils avaient la tête ailleurs, c'était prévisible. Mais tu vois, c'est là où je dis, il faut qu'on progresse, nous, le PSG. Des fois, il faut faire abstraction de ça. Il faut qu'on prenne le match comme normalement, là, aujourd'hui, on gagne. C'est le Havre. Oh, c'est pas. C'est le Havre. Alors après, ok, frérot, je peux me permettre un petit point, on va dire, positif. Je pense qu'on a tous remarqué. C'est comme la force de caractère du PSG et sa haine de la défaite. Pour le coup, que Lucien Riquet a instauré à ce PSG. Il met le doigt quelque part. Ah, on dira pas où, mais. Excuse-moi, c'est le match nul, ça me rend ouf. Non, mais bon, voilà, les gars. Après, même le milieu de terrain. Ils ont levé le pied aujourd'hui. Ouais, oui. Ouais, champion mon frère. Hein. Champion. C'est okay, le ça. Bon bah voilà hein, les gars, tout ce que j'avais à dire, hein, franchement, 3 partout. Maintenant, let's go, direction les Allemands pour cette demi-finale aller, en espérant que tout va bien se passer. Et donc voilà. A vite oublié ce match contre les Havrais. Ah, il y avait de la place, il y avait de la place. Mais bon, ouais, les mecs qui viennent, ils mettent le but, ils jouent pas. Il y a des moyens. Il est en confiance en Allemagne. Tiens, Ayou, on lui a fait un joli costard, Ayou. Hein. Ayou. Ah, voilà. Ouais, 3 partout, les gars. Hein. Il y a aussi cette équipe, deuxième buteur. Hakimi qui s'est rattrapé. Bref, vous allez me dire vos tops et vos flops dans les commentaires, les humains, comme d'habitude. La note du match, les gars. Bon, allez, je vais partir sur un 6 sur 10. Moi, je mettrais un 5 sur 10. Parce que ce match nul, personnellement, les gars, je vous le dis, m'embête un petit peu. J'aurais vraiment aimé, personnellement, bon, c'est mon avis, encore une fois, qu'on arrive, on va dire, en Allemagne, avec cette confiance qu'on aurait vraiment besoin pour moi. Ouais. Maintenant, bon, évidemment, le 5 sur 10, je mets la moyenne quand même pour, comme j'ai souligné, le caractère affiché. Et bravo, Barcola. Barcola, très très chaud. Bravo, continuez comme ça. Bref, mes humains, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et puis on s'attrape, bien évidemment, pour une prochaine vidéo. Et ce sera sûrement l'avant-match. Demi-finale, allez, de la Champions League. Allez, Paris, les gars. Ciao. Nique sa mère, les foudiques, c'est l'utesse que j'incarne. Paris capitale et la Ligue capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.